Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui, on prépare l'arrivée de Scott. On s'occupe des bébés, des petits chichis, des cavaliers. Et puis, je vous accompagne dans nos petits quotidiens du moment. Et donc, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. On est le matin, alors je fais pas trop de bruit parce que tout le monde dort encore. Donc je suis souvent la première levée. Comme ça, je fais les petits parcs avant que les enfants se lèvent. Parce que si jamais il y a un petit caca ou quelque chose, bah, j'ai le temps de l'enlever. Bah oui. Et elles sont sorties hier dehors. Et depuis, ça les a délurées. C'est trop cool, je suis contente. Ils me suivent partout. Ben oui, allez poupoule. Qu'est-ce qu'il y a, Vainé? Qu'est-ce que tu trouves par terre? Oh oui. Vanilla, coucou. Oh, bah alors. Oh, j'ai eu peur, mais quand même, je suis contente. Je remue la queue. Je vais la retourner voir. Oh, mais non, pas. Oh, oh là là, je sais plus quoi faire. Viens. Vanilla, viens. Allez, viens. Oh, j'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas. C'est au deuxième carreau. J'y suis jamais allée encore. Je sais pas sur quoi on bloque. Je pense que j'ai quelque chose sur moi qui l'inquiète. C'est moi. Ah oui, c'est toi, je te reconnais. Mais j'avais tellement peur de quelque chose. Je sais pas ce qui m'a pris. Dis tout oui. Elle est contente d'elle. Mais t'es une faux folle. T'as vu tout ce que t'as fait là? Oh là là, bravo. Bon, c'est pas vrai, hein. Elle a déjà dépassé le deuxième carreau. Elle court dans tous les sens. Mais oui. Ben oui. Allez, nénette. Bon, allez, je vais vous laisser. Moi, il faut que je continue de travailler. Hein. Et ben oui. Faut que je nettoie tout, toute la maison, que je mette des croquettes à tout le monde, que je nettoie les gamelles. Oh oui, mes petits cœurs, vous êtes vraiment trop trop mignonnes toutes les trois. Je suis vraiment trop fan de vous. Je viens d'arriver au pré et j'ai toujours cet accueil là. Ils hennissent et ils viennent direct me voir. Oh, si ça, c'est pas trop chouette. Coucou. Ça va, mon Lulu? Oui, on va faire les vermifuges aujourd'hui, hein. Oui. On va vermifuger. Coucou, mon Vovo. Bah, qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est complètement foncé, ce travail. Ça va, mon Vovo? Tu vas bien? Puis là, il y en a une qui est descendue. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Faut qu'on répare tout ça. Regarde-moi ça. Ça tient plus rien du tout. Bon, je viens d'avoir Aurélien au téléphone qui m'a
donner 2-3 astuces pour renforcer cette clôture là, sur lequel je pense qu'ils se sont simplement gratté les fesses. Mais bon, il faut que je répare tout ça, que je les vermifuge, que je les nourrisse, que je mette du foin, de la paille, que je range un peu toutes les affaires qu'on a achetées pour Scott. J'ai du travail aux chevaux, je voulais les brosser aussi, mais franchement, je pense que je le ferai demain. Histoire qu'ils soient tout beaux pour l'arrivée de leur nouveau copain. On va préparer ça comme on peut, tout simplement. Vermifuge, c'est fait. Ils ont été adorables tous les trois. Et là, ils sont en train de manger. Donc pour les vermifuges, j'en utilise 4, rien qu'à eux 3. Vu que leur poids estimé sont à peu près 750-800 kg, et lui d'une tonne 2, et que les vermifuges font 700 kg chacun. Donc du coup, voilà. Et donc Galant, qui est dans l'autre pré là-bas, je vous le rappelle, je vais le vermifuge après. Donc lui, je vais lui mettre 500 kg, et les 200 kg qui restent vont aller à la NES, à Idil. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de trop. Lulu et les bêtises. Quand on dit mettre les pieds dans le plat... Voilà, lui, il aimait vraiment. Il a renversé ses grains et du coup, il met son pied dans le seau. Hein ? On va le récupérer avant que ça fasse des bêtises. Et lui, son seau, il est toujours dégueu. Alors que par exemple, Luvo, il a fini, mais il touche plus son seau. Hein ? Allez, va, tu es libre, petit poney. Tu es libre. Et toi, la machine à bêtises? Oh, bah, il va faire pareil. Je vais le détacher. Vous savez ce qui m'attend comme petit boulot sympa aussi? C'est de nettoyer toutes les couvertures qu'on a utilisées cet hiver et les réimperméabiliser pour que ce soit prêt pour l'hiver prochain. Oui, je le fais tout de suite parce que sinon après j'ai pas le courage. Voilà. Bon bah tout le monde finit les miettes de Lulu du coup. Mais on peut pas mettre le pied dedans. Oh là là, les bêtises. Qu'est-ce que vous êtes beaux mes garçons là. Non, ça c'est pas beau hein, ça c'est pas beau. Galant, il est là-haut, tout là-haut, là-haut, là-haut. Hein, les bêtises. Bon, allez, je range. Je suis en train de faire le montage de la vidéo pour vendredi. Et à côté, j'ai une petite scarlipouette qui fait la meilleure des siestes. J'adore les regarder dormir. Je trouve ça trop apaisant. Quoi là, tu peux monter si tu veux. Viens, tu peux monter. Viens. Non, bon bah reste alors. Il y a ma zozo qui est là-bas. Bon, t'as réveillé du coup. Oh bichette. Rose, elle a fait un petit tour accru sur Lulu. Elle est pleine de poils du coup. Du coup, pour récompense, il broute. Il y a les deux autres là-bas qui s'impatientent. On va aller les retrouver. Donc, on est vendredi soir. On a récupéré les petits poussins, mais je les ai pas encore filmés. Je vous les montrerai plus tard. Et bah, Sultan, il est détaché. Oh. Et du coup, nous sommes allés donc au pré parce qu'on a été ranger un peu toutes les affaires. Et puis, nous sommes aussi allés préparer le vent pour demain, vu que c'est l'arrivée de petit Scott. Enfin, faut que j'arrête de dire petit parce qu'il est grand quand même. Je vais aller détacher les deux là-bas, parce que je les avais laissés attachés. En fait, c'était pas franchement prévu de faire le bout de chemin avec Lulu.
On en a mis partout. Faut qu'on range tout. Allez. Nous avons un problème. Nous sommes en liberté, mais attachés. C'est ça qui est beau. Hop. Monsieur. Allez, Sultan. Ça là, c'est un coup de pied de Hulk. Ben oui, mon chaton. Viens. Oh, il y a des mouches. Allez, va voir ton copain là-bas. Ben oui. Oh. Tu restes bloqué, toi? Non. Il est bloqué. On va le débloquer. Regarde. Là. Les hanches? Oui. Oui, oui, oui. Allez. Très bien. Marche pas dessus. Oui. Et bien joué. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Ça commence enfin à sécher là. Oh là là, que ça fait du bien. Donc, on a tout réorganisé. Là, du coup, on va fabriquer une petite pancarte pour Scott. Tout là-haut, j'ai mis toutes les couvertures avec les prénoms sur chaque boîte pour savoir qui est à qui. Voilà, il manque encore une grosse de galon. Et je pense que je vais remettre un renfort hein, parce qu'elle plie de peur, ma planche. Donc, du coup, on a tout réorganisé ça avec les filles. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Vous montrez moi parce que plutôt que de vous montrer la boue, c'est quand même pas hyper intéressant. Enfin, moi non plus, cela dit. J'espère que je suis mieux que la boue. Et du coup, oui, ça fait un petit moment que je voulais réorganiser ça. Et je pense que l'arrivée de Scott, ça a été l'élément déclencheur pour ce faire. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à fixer les polaires de chacun des chevaux. Et du coup, ce sera tout bon. Je vous ai pas montré aussi. On a racheté des petits bonbons pour compléter le seau de Tati Sophie qui était déjà bien emmanché. Et donc en fait, les filles savent, moi pas, mais chaque couleur et forme a un goût différent. Je crois qu'elles ont pris mangue, banane, poire, enfin des trucs un petit peu exotiques quoi. On a mis tous les masques anti-mouches, on va bientôt leur mettre. Je pense d'ailleurs qu'on fera ça demain. On a remis tous les tapis, parce que du coup on a racheté les tapis vraiment très peu chers à l'association. Donc on en a remis là. Voilà, bon je pense que là cette fois c'est bon. Nous sommes équipés. J'ai pu commander une petite selle pour Perle, enfin bref. Voilà quoi. Hop, j'allais voir là-haut. Rose elle est toujours avec Lulu je pense. J'ai hâte de son arrivée, puis j'appréhende à la fois. C'est un mélange des deux. Alors ? Dans la sellerie ? Tu veux le rentrer ou tu le fais brouter encore un peu ? Je ne comprenais pas pourquoi les chiens criaient. Est-ce que je vais pouvoir vous les montrer ? Il y a deux lièvres. Regardez, il y en a un qui court là. Oh, je vous ai loupé. Il y en a un autre qui est juste là, là. Et les chiens, ils l'ont senti, ils n'arrêtent pas de crier. Oui, je sais. J'espère que vous l'aurez vu. Il est parti. Ah non, il est là. Et eux, du coup, ils sont fous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des bêtes, il y en avait deux. Deux millièmes. Ah, il est là-bas. Mais alors là... Oh non, je ne le vois plus. J'ai racheté plein de nouveaux tissus pour vos protèges carnets de santé. J'ai vu... en fait, sur internet, une idée pour fabriquer un petit peu différemment.
Donc je pense que je vais essayer. Mais voilà, j'en ai eu pour plein. Ouais, regardez ceux-là, je les trouve trop jolis. Plein, plein de nouveaux tissus. J'adore les petits nuages. J'ai eu du coup une nouvelle commande et je remercie la personne pour les protèges carnets de santé. Donc là, donc il y en a un premier avec des petits chats rock'n'roll et un deuxième pour une fille avec des petites étoiles un peu plus princesse, plus doux. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et je suis en train de fabriquer aussi une couverture pour un nouveau-né qu'il y a eu autour de nous. Donc je fais plein de petites pièces comme ça que j'assemble après. Je vous montrerai le résultat si vous voulez d'ici quelques temps. Vous me direz si ça vous intéresse, sinon je ne le mettrai pas. Donc voilà, tout. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, mais mon petit bac s'est à nouveau re-rempli. Petit poussin, tu es là. Comment? Ils s'appellent Nuggets. Alors ils ont tous un prénom, c'est les enfants de la classe de Perle qui l'ont trouvé. Donc c'est pas toujours très de bon goût. Hein. Mais on a petit Nuggets. Du coup lui c'est le premier qui a éclos. Il est trop chou petit poussin. On dit, il est maquillé, t'as vu? Je vais vous montrer les autres. Et voilà les petits poussins. Donc il y a des coups nus. Ça c'est les poussins de ma maman. Parce qu'elle a des coups nus. J'avoue que j'aime pas trop ces poules-là. Je les trouve pas très jolies. Mais bon, on est ravis quand même de les avoir parmi nous. Il y en a deux. Un jaune et un noir. Donc je crois qu'eux, ils les ont appelés coups nus. Lui, c'est lui. Nu, ok. Lui, c'est lui. Après, donc ils m'ont dit qu'il y avait Style. Style, lui, c'est des guettes. Ouais. Non, j'ai pris. Après, celui-là, pas là, avec la tête bien sur la tête, c'est Chouquette. Pinguin, c'est le petit noir. Oui, oui, là. Après, il y a Carabelle. Ouais. Et en dessous, il y a un petit prince qui est là. Ok. Et le tout jaune? C'est Éclair. Éclair. Et le tout noir, là? Goupa, je crois. Goupa? Okay. Non. Ah oui, c'est Goupa. Ok. Donc, il y en a 10. Oui. Est-ce que vous vous souvenez sur une précédente vidéo où j'ai dit « Oh, j'en ferai pas cette année parce que ça me fait du travail, patati patata. » Bon, bah, je me retrouve avec 10 poussins. Il y a la maîtresse de la classe d'Éden donc, qui m'a demandé de refaire une couvée, donc on fera à la rentrée. Et il y a une autre maîtresse qui est une copine à côté qui m'a dit « Oh, j'ai vu que ça avait vachement calmé les élèves, est-ce qu'on pourrait faire aussi ?» Alors du coup, bon bah voilà, j'ai aucune résolution qui va tenir je crois. Tiens, petit loulou, va manger, toi, parce que lui, il est nain et les autres, ils sont gros. Les nains, en fait, lui c'est un... Lui, c'est nain qui est petit parce qu'elle avait mis un œuf. Mais c'est un petit œuf, c'est parce qu'il est nain. Ah, c'est un nain. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'ils font à attaquer le journal, là-bas? Il va te sortir. Laisse-le manger. Donc voilà, bah, ils vont tous bien, hein. Ils sont en pleine forme et puis bah, du coup comme ils ont été manipulés pendant une petite semaine par les élèves, on peut les prendre sans souci, hein. Ils n'ont pas peur. Donc on va tous les garder, on va attendre qu'ils grandissent et puis moi de toute façon j'ai plus de poules donc ça fera, ça renouvellera mes poules, j'espère qu'il n'y aura pas trop de coques dedans. Et puis bah, on verra pour les tourner, les autres couvées à venir. On est encore posé, même place, même endroit, même chose, on profite. Alors là, il y a petit Volt, ici, c'est Vanina qui arrive comme une folle. Là, ici, on a Barney, je sais que j'en ai un autre, Tempo, Tiki. Ah non, j'ai cru que j'en avais un autre dans les pattes. Ah oui, Vador. Donc, il nous manque Valco. Et Vasco. Ça joue, ça profite. Bah oui. Oh, c'est bien mon loulou. Un gros caca dans l'herbe. Et les bébés, les bébés. Vous avez semé vos frères? Hum? Y'a Blue. Y'a bébé. Viens.
Pascovia. Bah alors, t'étais où? Où t'étais? Bah oui, moi j'étais inquiète, je te voyais plus. Et il est où votre frère? On a perdu Valco maintenant du coup. Valco! On va où le petit bébé? On a perdu Valco. Qu'est-ce qu'il fait fouille là les trois? Oui, c'est pour quoi faire? Tu veux monter? Ah ça y est, on a retrouvé le dernier. Bah t'étais où bébé? Oh bon, ils ont bien pigé le rappel quand même. Hein. J'adore les regarder. Qu'est-ce qu'il y a, petit Valco? Mmh. Oh, ma bloubloub. Petite Vanina. C'est pas trop apaisant, franchement, de rien entendre. Les petits oiseaux chanter, d'observer les bébés. C'est trop agréable. Il n'y a rien à dire, je trouve. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit pouce bleu. N'oubliez pas le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Je remercie par avance ceux qui vont le faire dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui aura lieu du coup samedi. Je reprends le rythme à 2 vidéos par semaine pour l'instant et on remodifiera au besoin. Allez, plein de bisous!